Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite recette qui a été inspirée de la chaîne Isagabi. C'est une salade de haricots et donc Fun, tu m'as demandé de faire la salade de haricots. Donc moi je vais te montrer comment moi je fais. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle est inspirée d'une autre recette d'une autre youtubeuse, donc Isagabi. Moi, j'ai juste apporté quelques modifications. Voilà, mais elle est inspirée de la recette de Isa. Donc, les amis, c'est parti. Donc les amis, pour les ingrédients, moi j'ai ici deux grandes boîtes de haricots blancs nature. J'ai ici deux boîtes de thon. Mes boîtes font du 130 grammes chacune. J'ai ici une petite barquette de tomates cerises. J'ai ici une barquette de épinards, enfin de jeunes pousses de épinards. Je vais en prendre qu'une moitié, je pense. Vous pouvez utiliser les épices que vous voulez pour l'assaisonnement. Vous pouvez assaisonner aussi avec du jus de citron. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser une vinaigrette à l'échalote. Et voilà, les amis. Voilà, donc je vais, donc les haricots sont égouttés et lavés, enfin lavés, je les ai rincés. Le thon, il est déjà égoutté aussi. Donc je vais mettre de côté et je vais couper les tomates cerises. Je vais les couper en deux parce que certaines sont assez grandes. Et que moi, je ne veux pas de gros morceaux. Donc, déjà, dans un premier temps, je vais les rincer, les tomates, et je vais les couper. Là, mes tomates sont rincées. Donc, je vais les couper selon la taille. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Selon la taille, ouais, je vais les couper en quatre. Voilà, pour que ça fasse des petits morceaux comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Donc les amis, j'ai fini de couper les tomates cerises, donc je vais les ajouter dans mon saladier. Je vais prendre le thon et je vais aussi mettre dedans. J'ai pas précisé, mais le thon, il est éco plus et les haricots blancs, ils sont éco plus aussi, ainsi que les tomates cerises. Voilà, donc maintenant, je vais ajouter les pousses d'épinards. Alors, je vais voir. Déjà, dans un premier temps, je crois que je vais les couper en deux. Certaines sont petites. Mais d'autres sont assez grandes, ouais, juste les couper comme ça. Et je vais mettre la moitié, ça je vais enlever. Ça je vais enlever. J'enlève ce qui n'est pas très bon. Voilà, et je mets comme ça, je les coupe en deux.
Je vais déjà mélanger comme ça et pour voir un petit peu les quantités. Alors je vais mettre encore un petit peu, quoique. Est-ce vraiment nécessaire? Encore un petit peu. Comme ça sur le dessus. Voilà les amis, c'est tellement simple et rapide à faire. Voilà, donc à la place des épinards, vous pouvez mettre de la roquette. Moi, j'ai rajouté des tomates cerises. Vous pouvez assaisonner avec les herbes tout ce que vous voulez, du basilic, etc. Vous pouvez assaisonner avec du jus de citron. Moi, je vais assaisonner avec la vinaigrette à l'échalote, mais chacun va assaisonner dans son assiette pour que la salade se conserve plus longtemps dans cet état. Donc, les amis, comme vous pouvez voir, il n'y a rien de sorcier. C'est très facile à faire, rapide. Donc, voilà, la petite salade des haricots verts pour toi, fun, vu que c'est toi qui m'as demandé. Et bientôt, je ferai la compote de pommes pour Coralie. Donc, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était vraiment une vidéo très, très rapide. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi, je vous dis à lundi pour un retour de course. Et je vais me mettre à table. Je vais me régaler. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.